Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 5 texture packs pour décembre 2021 alors qu'on est en janvier 2022. Let's go! Moi aujourd'hui ça va très bien, j'ai découvert 5 petits texture packs qui sont bien sympas et que je voulais vous mettre dans cette vidéo. Donc on a du 3D, de l'amélioration, de Minecraft Vanilla, et puis on a aussi un petit texture pack à la fin de la vidéo qui est mais super pour les fans de Star Wars. Donc voilà, rendez-vous à la fin de la vidéo pour les fans de Star Wars. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne. Oui, tu peux. C'est pourri. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas que je fais des lives sur Twitch, que tu peux venir me voir. En plus, je reprends les lives bientôt, normalement la semaine prochaine. Ok, on commence avec le pack de texture New Default. Alors ce pack de texture là, comme je vous ai dit, c'est celui qui améliore le jeu Vanilla, voilà. Donc vous allez peut-être pas le percevoir comme ça d'un coup, mais en fait, enfin, si, on le perçoit quand même vachement. En gros, pour ceux qui en ont un peu marre d'avoir un Minecraft Vanilla, trop Vanilla, du coup trop simple. Donc par exemple, je sais pas, là ici, on voit très bien en fait que les couleurs ont été revisitées, que les textures ont été un peu refaites. Donc on le voit quand même, on le voit, il y a quand même une différence avec le pack de textures de Minecraft de base. Ce que je kiffe le plus dans ce texture pack là, vous allez voir tout de suite, hein, déjà c'est les livres. Les livres sont plutôt très stylés. Regardez-moi ces livres. Moi je trouve qu'en vrai je crois que c'est ce que je kiffe le plus dans ce texture pack là. Ils ont changé tous les livres d'enchantement et je les trouve mamma mia trop stylés. Et surtout aussi les armures, ont été refaites. Donc les armes aussi, hein, par la même occasion. Je vous sors un peu tout ça pour que vous voyez, et puis du coup bah, par la même occasion aussi ça, hein, les outils. Mais en fait il y a un peu tout qui change, donc tout a été un peu amélioré et je trouve ça archi stylé. Évidemment c'est des packs 1.18, je n'ai pas précisé, mais voilà. Regardez, voilà, on voit qu'il y a un petit changement, on voit que c'est pas pareil, ça change un peu. Et franchement c'est très stylé, moi j'aime bien, moi j'adore, je vote pour, j'adore. Vraiment regardez dans les mains, ça donne quelque chose d'assez stylé. Bah c'est stylé, non mais vraiment, voilà, si vous êtes un peu, si vous voulez pas changer Minecraft totalement mais que vous êtes un peu lassé du Vanilla, et bah écoutez, ça améliore votre jeu et ça apporte un bon truc, voilà. On va passer à l'autre texture pack. Vous allez me dire en revoyant juste cette vue là, mais n'importe quoi, mon texture pack il change pas tant que ça. Ah bah j'ai rien dit, en fait si. En fait si, ça change un peu, mais bon, bref, en voyant cette vue là, vous allez me dire ça change pas tant que ça dans texture pack, mais en fait si, regardez. C'est un texture pack exprès pour la nature. Est-ce que vous voyez quand même que la nature est beaucoup plus belle? Regardez, s'il y a plein de fleurs, etc. Ici, là, partout, etc. Voilà, ça améliore la fleur. Ça améliore les fleurs, ça améliore un peu tout ça. Regardez, c'est beaucoup plus beau, je trouve, et c'est beaucoup plus... Ah ouais, c'est beaucoup plus campagne. Beaucoup plus colorique. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais voilà. Là on a aussi quelques changements, mais en vrai il change pas énormément non plus le jeu, hein. Il va pas changer tous vos items, etc. De toute façon vous le voyez, ici ça change pas. Bon là le sable je crois pas qu'il change beaucoup. Mais par contre les arbres changent énormément. Et tous ces petits feuillages, etc. C'est ça qui change le plus sur le mode. Ah oui, puis il y a aussi la netherite. Bien vu, il y a aussi la netherite qui change. Ils ont juste changé la netherite, après les autres trucs ils sont foutés. Alors je pense que c'est pas ce qu'il y a le mieux du pack, hein, vraiment. Et regardez même si on plante... Alors attendez, on va faire la démonstration en live. Les carottes qui sont beaucoup plus grandes. Merde. Le blé qui est très très grand. Et les patates. En fait tout change, voilà. En fait tout ce qui est destiné à la nature de Minecraft, ça change. Voilà, même la vache change un peu, elle est un peu plus foncée. On passe au pack de textures urban. Alors vous là, vous l'avez remarqué direct, c'est un pack de textures 3D. Vous voyez les feuilles, ça, c'est... Voilà, ça se voit que c'est du 3D quoi, c'est pas de la merde quoi. Là, c'est toutes les petites fleurs, etc. Et puis un poussin qui est jaune, enfin un poulet qui est jaune. Ça je crois que c'est un petit kiff, je pense qu'ils se sont fait un petit plaisir. Mais en tout cas, voilà. L'épée en netherite qui est archi stylée et archi grande. Enfin, ouais, elle est quand même vachement grande. La pioche, pareil, vraiment ça prend la moitié d'écran, c'est assez marrant. Et la houe, je trouve que la houe est trop marrante. Regardez, la houe c'est vraiment un râteau. C'est archi drôle, c'est vraiment un râteau, genre paf, 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 je ratote, voilà, ça veut rien dire, mais je ratote quand même. C'est quand même fou, c'est archi bien fait, je trouve. Et bah surtout après, on le voit aussi, c'est surtout avec les TNT, les coffres. Voilà, ça, il change, voilà, c'est un 3D qui change, parce que je trouve que souvent les 3D sont pas comme ça. Là même, la canne à sucre, elle est toute fine, on voit plus de canne à sucre. Avant, dernier pack de texture, lui aussi, c'est du 3D. Et la petite tortue, mais qu'est-ce qu'elle a fait là? Mais elle est posée dans mon bateau, bref, c'est pas ça. Regardez, moi c'est les minerais que je kiffe. Oh là, alors là, c'est du 3D, mais 3D++, hein, vraiment.
Non mais même, regardez, tout est en 3D, ça c'est très stylé, il est très stylé ce pack de texture là, franchement je crois que c'est mon petit favori dans les 3D, il est vraiment beau. En fait tout est hyper bien fait et je trouve que, enfin perso j'ai pas de perte de FPS, je suis à 300 FPS, voilà. Ici la TNT, on voit bien qu'il y a de la profondeur, ici aussi, je sais même pas comment ils font en vrai pour faire ça, mais c'est très stylé. Et il y a de la profondeur un peu partout, ici aussi, vraiment je kiffe. Ah oui, les torches sont en 3D, les torches ressemblent un peu aux fleurs, regardez. Non ? Il y a un petit, le bout est un peu pareil. Mais en tout cas, ouais, je crois que c'est très très stylé. Oh oui, aussi, regardez, ça c'est l'ajout de la 1.17. Le Azalée, je crois que c'est ça. Et enfin, on va passer au dernier pack de textures qui ajoute quelque chose de dingo. Vous allez voir, vous allez être très surpris. Luc, je suis ton cube. Et oui, c'est un pack de textures Star Wars. Alors je vais direct enlever le shader parce que, bon, vous avez vu, le sabre laser, il est tout simplement magnifique parce que c'est fluo quoi. Mais je vais enlever le pack de textures parce que il est en PLS, mon PC, il se dit arrête s'il te plaît. Mais en tout cas, vous avez vu, alors là voilà, j'ai pris une petite map, je sais pas, que j'ai trouvé sur internet, je peux vous la mettre en description pour ceux qui la veulent. Hein. Mais en tout cas, c'est pas ça le plus important, c'est le pack de textures Minecraft. Alors oui, j'ai mis un petit skin Dark Border pour l'occasion. Je sais pas si ça se voit. Donc là, regardez, tout ce qu'on a, ça c'est que des sabres laser. C'est que des sabres laser. Ils sont pas fluo, il faut un shader pour ça, mais sinon, si votre PC accepte un shader, c'est encore archi stylé aussi. Et voilà, c'est vrai qu'il y a quelques meubles qui sont ajoutés, comme l'araignée qui est juste géante. Et les robots, voilà, les creepers sont des robots maintenant. Des robots comme ça, c'est archi stylé, non? Et attendez, c'est pas fini parce que sinon ce serait bien, mais pas plus quoi. Regardez ce que je vois. What the fuck, c'est archi stylé. Est-ce que c'est pas trop stylé? Donc si vous voyez ça et si vous voyez que lui là il a un arc, normalement c'est un squelette, hein, et que son arc est comme ça, ça veut dire que nous aussi on peut l'avoir. Mais attendez, c'est à dire que nous aussi on peut avoir un blaster. Attendez. Mais oui, mais nous aussi on peut. C'est trop stylé. Et regardez les balles qu'on tire. Et oui, parce que c'est pas des flèches, c'est des balles. Regardez, hop. Et ouais mon gars, c'est archi stylé. A plus pour une prochaine vidéo, merci d'avoir suivi. Et n'oubliez pas qu'il y a une petite question à la fin de chaque vidéo. Mais quelle va être la question d'aujourd'hui? La question elle est très simple. Est-ce que vous êtes plutôt un joueur qui va préférer jouer à Minecraft avec le texture pack par défaut? Ou est-ce que vous êtes plutôt un joueur qui ne peut pas jouer à Minecraft sans un texture pack? Dites-moi tout, j'attends vos réponses en commentaire. Et voilà, en tout cas je vous dirai plus, merci beaucoup d'avoir suivi. Et puis voilà, vous me direz quel pack de texture vous avez téléchargé et celui que vous préférez. Allez, ciao. Et puis bonne année en fait, j'avais oublié. Mais attends, mais le mec est débile, il avait oublié. Allez, bonne année.